Bah écoutez, tout d'abord, j'étais ravi de connaître cet endroit que je connaissais point, faisant partie de la cellule de crise de lutte contre le chikungunya. Il m'a paru opportun d'accompagner la délégation ici même, de façon à pouvoir contribuer, bien sûr, au nom total, à la sensibilisation des populations, par un don de 1000 dépliants, tel qu'on l'avait déjà fait à plusieurs reprises à Pointe-Noire. Mais, comme vous le savez, la sensibilisation, c'est bien, mais après, il faut pouvoir traiter. Alors, c'est ce que j'ai fait, avec également une dotation de médicaments. Donc, j'ai pu apporter comme ça, symboliquement, quand même 5000 comprimés de paracétamol. J'ai pu apporter 500 comprimés d'anti-inflammatoires, 600 de surkina. Pourquoi ? Parce que quand on parle de chikungunya, il faut aussi savoir parler de paludisme. Parce que même si ce n'est pas le même moustique, souvent ça coexiste. Parce que les conditions requises pour l'éclosion de tous les moustiques sont là. Et il faut savoir aider les populations.